Autour de Manchester, physiquement surtout, c'était compliqué parce qu'on a beaucoup couru. On a affronté une équipe qui était un niveau au-dessus de ce qu'on avait l'habitude d'affronter habituellement. Donc pour les muscles, forcément, tu as beaucoup de fatigue. J'ai quand même pris du plaisir parce que j'ai senti qu'on était vraiment une équipe à ce match-là. Je me suis surtout battu pour les autres. Je sentais vraiment qu'il y avait cet état d'esprit-là où tout le monde se battait pour chacun. Malgré, comme j'ai dit tout à l'heure, malgré la défaite, ça reste une belle expérience et moi j'ai pris du plaisir. Avant le match de Rony, du coup on est deuxième ex aequo avec Vilaine. Rony n'est pas très loin parce que ils ont des matchs de retard. C'est les matchs les plus importants de la saison. Là c'est là où on pouvait prendre de l'avance. Match d'aujourd'hui, Rony sur scène, troisième du championnat, juste derrière nous avec Vilaine. On rentre dans des matchs où on n'avait pas vraiment l'habitude de jouer en championnat ces dernières semaines-là. Okay, on a eu le match de Manchester qui devrait nous servir. Et après, on a joué que des matchs milieu de tableau, bas de tableau, où il y avait juste besoin de confirmer notre statut et confirmer ce qu'on faisait. On l'a fait, pas forcément avec la manière, mais on a dû s'adapter aussi à Epone par exemple. Mais aujourd'hui, on rentre sur une équipe qui va arriver sur le terrain, on les connaît aussi en plus en face, avec une envie, une détermination vraiment supérieure à ce qu'on peut connaître d'habitude. Souvenez-vous de « oui, pour moi ça va être la même chose ». Pour moi ça va être la même chose. Okay, donc c'est à prendre en compte absolument, à vous d'être capable de faire comme vous savez faire, même si moi et Max c'est des choses qui nous rendent complètement fous, de savoir que vous êtes capable de monter votre niveau de jeu quand vous le souhaitez en fonction de l'adversaire. Mais on doit s'adapter, on doit faire avec pour le moment et pour l'instant, force est de constater que ça nous réussit. Donc on va continuer dans cette direction-là et vous, à vous de le faire. Ne soyez pas surpris, par contre, parce que quand on fait ça, on peut être surpris. Donc, rentrer sur ce terrain avec un peu la même éthique et rigueur, voilà, c'est le mot que je cherchais, la même rigueur que vous aviez la semaine dernière. Jouez à 100%, faites les choses comme vous devez les faire. Maintenant, c'est vous qui avez les choses entre les mains. On joue Rony. On joue Houille, on se déplace à Sartrouville, ça y est, on est dans le vrai. Votre saison, elle est maintenant. On peut se rendre les choses faciles, soit on peut se compliquer la tâche. Donc à vous maintenant de mettre le même sérieux et que moi et Max, on soit plus sur le côté à parler d'envie, de déplacement, de machin, mais qu'on soit plus à essayer de corriger tactiquement et que vous aiguillez sur ce point de vue-là. Parce que vu ce que vous nous avez montré ces dernières semaines, on peut que franchir des caps, nous aussi, de notre côté, dans le discours et dans ce qu'on vous amène. Maintenant, attention à ne pas vous raconter d'histoire. Là où vous êtes les meilleurs, c'est là où vous ne racontez pas d'histoire. Vous travaillez les uns pour les autres, on laisse nos égos de côté et on se parle et on s'écoute. Ok ? C'est bon pour vous ? Ok, très bien. Bien joué. Ça va, Bien joué, Dommage. Oui, quoi, monsieur, là, allez! Bien joué, mon grand! Réagis, ça va, bien joué, ça! Avec lui! Ça vient là! Bien joué, les gars! Pinel, fais-toi! Allez! Yeah.
C'est votre responsabilité. Techniquement, vous êtes zéro. Dans l'impact, vous êtes zéro. Et là, on est retourné. On retombe dans des travers pour ceux qu'on connu il y a quelques années. Achouiné après l'effet de match, l'arbitrage, la petite faute, le petit truc, le petit machin. Donc cette partie-là, c'est votre problème. Si vous voulez rester là-dedans, quoi qu'il arrive, ce que Maxime et moi, on va vous apporter derrière techniquement et tactiquement, ça n'aboutira à rien. Si vous restez dans cette manche-là, on perdra le match. Je sais pas, on verra peut-être sur un coup de chance, on arrivera à égaliser, mais on n'arrivera pas à franchir un autre cap. Moi, je vais juste axer sur une autre partie. Ça, après, c'est votre tête. C'est votre tête. C'est bien beau de dire Max et Romain, ils arrivent des fois à vous mettre sur voltage et à vous mettre en température et à vous faire repartir. Mais on peut pas tout le temps faire comme ça. Ça peut pas marcher tout le temps comme ça. Là, péter les plombs, vous incendiez, bah ouais, c'est ce qu'on devrait faire.
Maintenant, c'est vous. Hein. Vous jouez les troisièmes, vous perdez, vous êtes chez vous. Ils ont la balle pendant 20 minutes. On n'a pas réussi une passe, on n'a pas gagné un duel. On n'a pas envie. Alors oui, l'arbitre, c'est controversé. Je suis d'accord, nous-mêmes sur le côté. Mais bon, ça, c'est des faits. C'est des faits. Donc, faites ce que vous voulez avec ça. Ça, c'est votre problème. C'était la causerie de départ avec Maxime. Ça, c'est votre putain de problème. La défaite, en vrai, comme avait dit Romain, je pense qu'elle aurait dû arriver même avant. Mais tant qu'on n'avait pas cette défaite, on n'avait pas forcément besoin de se poser de questions de comment modifier ça, quel était vraiment le problème, pointer du doigt où ça allait pas. Et je pense que d'un point de vue, ça nous a fait du bien. Parce que bah toujours gagner, etc., c'est pas ça le foot, en vrai, on perd. Hein. Mais la manière dont on a perdu, ça... Ça peut pas être comme ça. Le problème, c'est que même si on a été invaincu, il y a dans le jeu en tout cas, surtout dans les gros matchs contre Vilaine ou encore Houille, c'était en novembre, c'était des matchs où on n'a pas forcément été très bon et on a ressenti un peu cette fragilité-là, ce manque d'envie et cette, donc du coup cette fragilité-là. Et malheureusement, bah, Rony, c'était la goutte de trop. Même si à Houille ou Vilaine, on n'a pas perdu, Rony, bah, c'était peut-être la défaite qu'il nous fallait pour comprendre que il y avait un réel problème dans l'équipe. Donc, on va dire que c'était un mal pour un bien. Et avec ça, bon, on a essayé d'avancer et on s'est réunis. On a parlé, on s'est dit les choses. On est revenu sur les fondamentaux. Et comme le fait une équipe, hein, le but, c'est d'aller de l'avant tous ensemble. Donc, on s'est rappelé les objectifs en commun qu'on avait ensemble et de faire les choses dans le bon sens. On est prêt. Je vais commencer quand on finit sa tablette, là. La plupart des joueurs qui sont là, vous avez déjà joué contre eux, à part Shems, il me semble qu'il n'était pas là, et Arthur, et Max. Vous savez quel genre d'équipe c'est, hein. C'est l'équipe qui se croit bien au-dessus de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à les battre au match aller, parce qu'ils se pensaient bien au-dessus de nous. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de ballons et qui est agressive. Une équipe agressive. Donc, tout ce qu'on s'est dit mardi et jeudi, pour revenir brièvement dessus, c'est aujourd'hui qu'il faut le mettre en action. Tout ce que vous faites avec Romain, le peu d'entraînement qu'on a fait mardi et jeudi, quand Romain il vous demande d'être agressif sur l'homme, avec le haut du corps, c'est aujourd'hui qu'il va falloir le faire. Les gars, on a parlé beaucoup de discipline. Et ben, ça commence aujourd'hui. Ça a commencé déjà, à mon sens, mardi et jeudi, parce que les entraînements que vous avez fait mardi et jeudi,
c'est enfin ce qu'on voulait voir. Monsieur, il y a déjà eu des bons entraînements, mais c'est enfin ce qu'on voulait voir niveau discipline. Eh bien, remettez-le en pratique aujourd'hui. Mais surtout, surtout, amusez-vous. Parce que le football, c'est ça avant tout. Si vous mettez en pratique tout ce qu'on vous dit depuis le début, tout ce que vous dites depuis le début, normalement, vous allez vous amuser. Même si ça va être un match super dur, hein. On va pas se le cacher, hein, ça va être un match super dur comme à l'aller. Hein. Mais amusez-vous. Et pour ça, il faut jouer ensemble. C'est pas un match individuel, c'est un match collectif. Oubliez pas ça. Famille, équipe, c'est pas des mots en l'air pour moi. Hein. À vous de nous faire ressentir que pour vous aussi, c'est pas des mots en l'air. Ok, messieurs ? Allez, go, c'est parti. Allez, 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 allez. Yes, yes. C'est bien ce que tu fais, mais vers le but, s'il te plaît. Tu l'envoies vers la touche à chaque fois. Mets-le dans de bonnes conditions. Ça fait deux comme ça, là. Allez. Si tu viens là dans l'intérieur, tu prends la place de Mas et d'Arthur. Dans ces cas-là, vois avec Arthur, si toi tu rentres, que lui prenne ta place. Oui, mais parce que justement, leur but, c'est que dès que ça coulisse, qu'il resserre. Tu vois, quand ça vient ici, Mas est censé resserrer sur Arthur et inversement. Donc si tu fais ça, il n'y a plus personne devant. Va, 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 va
Que l'arbitre, s'il vous plaît. Taïr. Edouard, c'est toi qui fais, t'es sur la touche de la deuxième. Ouais, pas trop. Oumar, t'es loin, Oumar. Allez, c'est là qu'il faut accélérer. Allez, allez. Ouais. Y'a personne! Non! Vous rigolez ou quoi? Arrête, il est lié, toi! Putain, personne suit! Allez, vestiaire. En vrai, je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps. Je vais utiliser le même mot qu'a utilisé Yacine il y a deux secondes quand je parlais avec lui. On est archi pas létal devant. On est archi pas dangereux. On joue derrière. On défend bien. Zeka nous fait un gros match. Djibril aussi. Elvis, c'est pas mal. Max, c'est pas mal, mais trop de montée. Trop de montée, je trouve, parce qu'il y a plusieurs fois où c'est Yas qui défend à ta place. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Tout le monde fait un bon match. Mais par contre, devant, je suis désolé, on n'est pas dangereux. À aucun moment, on est dangereux. À aucun moment. Les deux coups francs qu'on tire, zéro. Moi, comment je vois le truc? Quand Mas, il est d'un côté, il faut qu'Arthur, il resserre et il vienne jusque-là. Pas forcément te coller, mais au moins au milieu. Et inversement, vous ne l'avez pas fait en première mi-temps. Donc, dès qu'Arthur, il récupérait la balle ou toi d'un côté, vous retourniez. À part les liés, ou Paul ou Taïr qui revenaient vers vous, il n'y avait personne d'autre pour changer d'aile s'il fallait. Si vous le faites en deuxième, vous allez voir tout de suite la différence. Parce que franchement, en face, je suis désolé, hein, Rony, c'est plus fort. Hein. Là, en face de ce que vous proposez, on est largement capable de gagner. Hein. Largement. Hein. Si on continue dans le même état d'esprit, la même envie, on manque juste un peu de justesse. Dernière chose, dès que la balle est dans leur camp, que ce soit Mathias, Arthur, Nathan, Yacine, Taïr, Paul, derrière, il n'y a personne qui monte. Il y a un trou, il y a la défense qui est dans son camp et l'attaque qui est tout seul devant. Il y a trois mecs devant. Montez le bloc. Là, si on continue de défendre comme ça, on n'a pas besoin de descendre aussi bas. Hein. Vous savez qu'Herman, derrière, il peut sortir. Il n'y a pas de problème. Zeker rattrape tout. Djibril, tu vas vite. Là, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. On ne va pas jouer à la baballe pendant encore 45 minutes, messieurs. Hein. Là, nous, on veut gagner. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de gagner. Il faut qu'on gagne. Donc pour ça, là, il faut sortir l'écrou, là. Et prépare la... Il est avec la bête. Allez, avance. Ah, il est même pas prêt, tu lui donnes la balle, il est pas prêt. Oui, c'est ça. Oui, c'est essayé, par contre, t'as retiré dans le ballon, yes. Oh. Allez, il a le droit à un jaune aussi, hein. Oh oui. Allez, avec lui. Il peut pas. Il part de derrière. Oui, bien joué, Maxime. Tentez, les gars. Hey, Chef, frappe dans ce ballon. Les gars, on est en plein dedans, c'est bien ce qu'on fait. Maintenant, faut y aller jusqu'au bout, jusqu'au but. Allez. Qui tombe?
Yacine, change avec Nathan. Mais il veut pas changer. C'est pas lui qui décide. Tu changes avec Nathan. Nathan, viens à gauche. Dépêche-toi. Gagne. Et comment ça? Merci, gros match. Paul. Va. Allez. Mais non, c'est sur Paul qu'il faut la mettre, c'est sur Paul, vous êtes là. Ton appel il est pas bon. Non mais Maxime, comment tu veux que j'appelle dans l'axe? Elvis il rentre dans l'axe. Non, je te demande pas d'appeler dans l'axe. T'as le droit d'être sur le côté, mais d'aller vers là. Mais c'est ce que je faisais. Non, là Nathan il te la donne, gros, tu vas. Nathan il me la donne, oui. Non mais quand Nathan il me la donne, je fais attention, il va lever tout le temps. Ça vient de là. Essaye. Oui, c'est ça. Restez là, Blanc. Blanc. Encore. Il commande tout. Ah oui. Je me dis quoi, je finis tout. C'est faute du gardien, tous les jours, hein. Oh, c'est faute du gardien. Lui, il bouge pas. Il est en dehors de sa surface, en plus de ça. Je parle de ton équipe, pas de toi personnellement, de ton équipe, grand. Non, mais il voulait tirer dans le ballon. Putain, mais... Elvis, pourquoi tu tires pas? T'es bien placé. De ouf. T'en viens. Il y a 0-0 quand même, hein. Là, faut y aller, hein. Sortez. Paul, rentre à l'intérieur, Oui, faut y aller. Allez. Donc il a pas de coach. On a vraiment pas de chat, hein, je te le dis, moi. Ça vient. Mais passe devant lui, il va faire la faute.
Mais oui, passe devant lui, putain. Déjà je pense, après on refait pas le match, mais si on avait donné la même envie que contre Houille, Rony, jamais ça se passe comme ça. Je pense qu'on repart avec la victoire. Mais bon, c'est passé. Mais pour la suite du championnat, il faut qu'on garde la même énergie qu'on a produit à l'entraînement cette semaine. Si on reprend un peu tout ça et qu'on continue pour les prochains matchs, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas et qu'on ne monte pas cette année. Ça fait partie du foot. Ça fait partie du foot. Tu ne peux pas toujours arriver ce que tu as envie qui t'arrive. Donc il faut apprendre. Rony, ça nous a fait mal. Oui, ça, même si on s'en sort avec un match nul, c'est quand même un peu décevant. En tout cas, moi, pour ma part, parce que je suis assez exigeant, on va dire, c'est décevant parce que forcément, quand tu sors d'un match contre Houille, tu as forcément envie d'avoir une victoire directement. Donc, bon, c'est match nul. Après, il faut prendre les choses comme elles sont, il faut avancer. Donc, on va essayer de prendre le match qui suit avec une victoire, encore une fois. Et en tous les cas, ce qui est fait est fait. On a perdu, on a fait ce match nul, c'est pas grave. Il faut lever la tête. Faut avancer, tout simplement. Faut réfléchir comme ça. Si tout le temps tu regardes derrière toi, ce qui s'est passé derrière toi, on n'avancera jamais comme ça. Giant to a maggot, big boss status. Ain't gon' lie, I really wish they would like a cabin. I ain't do no front and get my money on the back end. Yesterday's price ain't today, now we taxing. Way out the fear, ain't no way out for me. They always told me I'm the wave, like I'm way out. And see, I know some real ones turn state. Ain't no way I could be out here living like a villain. Only way up for me.